Welcome to my YouTube channel dedicated to embedded electronics, open programming. If you enjoy learning about embedded electronics, don't forget to subscribe to Open Programming for more exciting content. Your support means a lot. Big thanks to all my awesome viewers. Your support and engagement mean the world. Keep the comments coming and don't forget to hit that like button if you find the content valuable. Together, we're building an amazing community. Donc voilà un peu, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler, donc avec l'impression 3D. Donc le projet était complètement imprimé sur la machine que vous voyez là. Donc c'est une imprimante que je me suis procurée, ça ne fait pas très très longtemps. Donc voilà un peu le projet, donc je peux l'ouvrir. Donc toutes les pièces que vous voyez à ce niveau, c'était démonté. Bon, là je n'ai pas encore vissé ça, mais en tout cas ça sera vissé comme ça. Donc regardez un peu tout ce que ça contient à l'intérieur. En tout cas, tout était imprimé de A à Z. Donc c'est un projet, donc il y aura un petit tube comme ici, il y aura un liquide de l'intérieur et il y a tout ce dispositif qui est là, qui contient donc un capteur qui va donc se mettre là à détecter la coloration du liquide dans le tube, ainsi donc la longueur sur la longueur que le liquide occupe dans le tube. Il y aura essentiellement deux liquides, le rouge et le jaune, et donc la machine va donc servir à détecter la quantité donc de liquide que le tube contient, donc les différentes couleurs de liquide que le tube contient et leur distance bien sûr. Donc là je suis en train de faire donc les connexions, ce que j'ai donc fini, il reste juste la programmation. Donc regardez un peu la beauté de la chose. Donc tout ce que vous voyez là, y compris le mécanisme qui est derrière ici, tout ça, ça a été imprimé de A à Z. Donc voilà comment ça marche, ça a vraiment été imprimé. Donc je n'ai pas encore fini avec la programmation, mais c'est sûr et certain que je vais le terminer très bientôt. Ouais, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, mais bon, je ferai de mon mieux de finaliser tous les projets et de vous le partager. Donc une fois que je termine, je vous partage un peu les difficultés et tout ce que j'ai donc eu à rencontrer avant donc de le réaliser. Donc je vais vous montrer sur la machine le dessin, comment ça a été conçu, et parce que là vous avez donc le produit fini. Donc voilà un peu, je me suis simplement déplacé, donc ça c'est ce que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Donc voilà un peu où c'était conçu, donc c'était conçu sur CATIA V5, en tout cas mon logiciel de conception de privilégiation. Donc voilà un peu le design, tout a été conçu là avant d'être imprimé. Et je pense que c'est carrément identique à ce que vous voyez là. Donc voilà un peu le dessin, bon là juste une pièce que j'ai donc à mettre, il y a plein de trucs et tout. Donc la conception a été faite à ce niveau. Donc c'est un peu ça, la beauté de la conception et associée à l'imprimante 3D, c'est vraiment très intéressant. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Donc ça, ce n'est qu'un projet. C'est sûr qu'il y aura d'autres projets beaucoup plus intéressants qui viendront. Donc je vais essayer de l'allumer. Il y a un code à l'intérieur. Bon, c'est juste un code de test, mais c'est pas encore fini. Donc je vais l'ouvrir. Donc vous voyez par exemple ici, on va nous sortir Kim's Technology. Donc c'est un peu comme ça que je m'appelle, un peu, en partie vrai. Donc, voilà un peu la beauté de la chose. Donc avec l'écran, bon, à la base l'écran c'est un écran digital, mais c'est fissuré un tout petit peu, donc du coup la partie digitale ne marche pas. Donc ça, ça fonctionne automatique comme ça, bon c'est juste pour les tests. Mais sinon c'est un peu ce que ça contient comme paramètres, il y a beaucoup de paramètres, mais bon. Ça, c'est un peu des paramètres qui apparaissent à la page d'accueil. Donc, restez juste côté à la chaîne. En tout cas, un grand merci à vous. Malgré que je publie, ça fait un bail que j'ai publié et tout. Mais je vois que vous êtes toujours là et tout. Donc, je vous remercie pour ça. Donc, on va se donner rendez-vous très prochainement. Et c'est sûr que je reviendrai avec du nouveau et des projets beaucoup plus intéressants les uns ainsi que les autres. Merci à vous. Thanks for watching. Open Programming.